Aquaba, sur les chevaliers.net, je suis Parala Snap, formateur, programmeur, créateur du groupe Les Chevaliers. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire le rang au niveau de la partie gestion des notes. Ok, cette question est vraiment récurrente sur les chaînes YouTube. Voilà, je trouvais une astuce qui me permet de faire. C'est pas l'astuce idéale, mais ça vous aidera à résoudre vos problèmes. Voilà, au niveau de la partie gestion des rangs, au niveau de lorsque on crée un logiciel de gestion scolaire, au niveau de la partie gestion des rangs, de la partie moyenne. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vais partir du principe que je vais créer un projet à partir de zéro. Voilà, c'est-à-dire vous ouvrez votre logiciel Windows, vous pouvez utiliser n'importe quelle version de Windows, ça peut être 24, 25, cela va dépendre de vous. Moi, mon projet ici, moi, je vais l'appeler Douala. Voilà, Douala Ben Yaoundé. Voilà, mais je vais l'appeler Douala. Douala. Voilà. Je profite en même temps pour dire je salue tous les Camerounais qui me soutiennent de partout. Voilà, sans oublier les Maliens, les Guinéens, par Amissou. Je salue tout le monde, tous les chevaliers qui me suivent partout en Afrique. Voilà. Ce projet, je l'appelle Douala, suivant. Ensuite, description. Je laisse la plateforme Windows. Il serait totalement vierge. Voilà, il laisse le 32 bits avec pas de GDS. Ok, je considère que vous n'êtes pas débutant. Donc, ces petits trucs-là, je passe directement dessus. Je conserve la charte de programmation. Ici, je vais prendre ça comme design. Ok. Ici, il n'a pas besoin de définir la monétaire. Je laisse ça. Lui, créer une table. Top. Ok. Ma table, je vais l'appeler. Je la conserve. La table m'a proposé. Voilà, je vais ajouter Douala Database. Voilà. Douala Database. Ça me permet ici, comme ça, d'indiquer sa base de données. Database. Voilà. Database. Voilà, je conserve ça. Ok. J'attends que ça finisse de charger. Voilà, je vais créer un fichier de données que j'ai appelé ça élève. Voilà, que j'ai appelé ça élève. Je mets un S à la fin comme j'ai tendance à faire par convention. Ici, au niveau de l'élève, bon, je vais ajouter ici le nom de l'élève. Voilà, un truc comme ça, non, hein, simplement. Non, et puis non, simplement non, non, je vais pas mettre, je vais mettre matricule, voilà, matricule, un truc comme ça, standard, hein, ça peut juste ajouter dessus, et puis je vais ajouter ici moyenne, voilà, et puis moyenne, ici moyenne, je mets S, je ne mets pas S ici, il y a déjà, moyenne est une fonction qui existe au niveau de Windows, donc si vous n'ajoutez pas S, ça va créer une erreur ici. Ici, moyenne là, je conserve comme ça, je mets des clés doublants pour organiser l'ordre des tri, voilà. Je conserve comme ça, je laisse ça. Je valide. Je vais créer une première fenêtre que je vais l'appeler principale. Voilà. Ou bien je vais l'appeler Douala. Ok, c'est synchronisé, oui. Ouais, je vais mettre principale. Ou bien je mets Douala, si vous voulez. Je mets principale. Voilà. Principale. Voilà. Je conserve ça. Ok, ici, là, je vais mettre Douala. Voilà. Douala, logiciel. C'est juste l'esthétique, hein, ça n'a rien à voir avec le coup qu'on attend de faire. Voilà. Je mets Douala, logiciel. Là. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais faire? Ici, au niveau de mon formulaire d'inscription, je vais créer le formulaire d'inscription juste là. Voilà. Je vais créer le formulaire d'inscription juste là. Donc, je vais ainsi importer mes informations. Qui sont non matricule moyen non. Voilà. Moi je vais les rentrer, hein, je vais les faire rentrer. Donc, je commence ici un logiciel. Je pense bien qu'il y aura un nom dedans, ces différentes informations. Mais moi, c'est un truc que je désire faire rapidement pour vous montrer. Donc je ne vais pas partir trop en profondeur comme ça. Alignement. C'est bon. Voilà, le nom prenant. Je vais mettre ça juste en bas là. Je vais créer en même temps le bouton de validation. Voilà, j'aime valider. Voilà, le bouton de validation qui serait juste là. Ok, ça c'est bon. Ici, moi, je vais réduire un peu. Voilà. Je pars du principe que vraiment tout est nouveau ici. Je pars du principe que tout est nouveau ici. Et là, je profite en même temps pour créer ma table. Voilà, je vais importer ma table rapidement. Ici, ma table est là. Ma table va découler de mon fichier de données.
Je n'ajoute pas le ID. Pas besoin d'ID. Voilà, ID, je peux conserver comme ça. Hein. Voilà. Produit, le nom. Matricule, je profite en même temps pour réduire la table. Voilà. Comme ça. Voilà. Je préfère faire tout ensemble avec la personne. Voilà. Là, tous ceux qui sont débutants, ils vraiment issus. Toi que tu vois qu'il y a la partie qui ne t'intéresse pas, tu n'as qu'à zapper. Simple. C'est simple. Voilà. Je vais réduire ça un peu pour donner de l'espace. Bon, je vais agrandir plus ma table. Je vais agrandir plus ma fenêtre. Ok. Là, j'ai la possibilité de pousser un peu maintenant. Comme ça. Et ma table, je réduis. Voilà. Ici, là, c'est trop gros. Matricule, c'est bon. Ici, là, c'est bon. Voilà. Donc, je vais diminuer un peu. OK. Ici, l'interface homme-machine va partir au niveau de IHM. Pour voir ici, comme ça, l'interface. OK. Ici, l'ancrage. Ancrage, c'est pas trop bon. Ouvrir l'ancrage. Donc, je vais mettre ça comme ancrage. Et ça. Voilà. Là, c'est libéré. Un test rapidement pour voir. Voici mon test qui est là. Maintenant, je vais enregistrer des informations ici. Voilà. Je vais enregistrer des informations ici en définissant la moyenne ici. Mais lorsque j'ai fini de définir la moyenne maintenant, c'est là maintenant je vais passer à mon algorithme qui me permet ici maintenant de faire le tri. Voilà. Donc, là. Je mets quelques conditions, hein. Si saisi, voilà, matricule égale à vide. Alors, sinon, dans ce cas contraire, sinon, ok, si c'est vide, alors je mets saisi, reprise saisie. Voilà, reprise saisie. Voilà, la reprise saisie nous permet d'afficher le matricule, c'est-à-dire il bloque totalement le script et puis demande à l'utilisateur de saisir. Dans ce cas contraire, si c'est pas vide, on va vérifier au niveau de non. Voilà. Ici on va remettre encore ce même code ici au niveau de non. On va redemander à l'utilisateur de saisir au niveau du non. Voilà. C'est pas un message qui va s'afficher, mais c'est juste la souris qui va clignoter là-bas et puis demander à l'utilisateur de saisir. Il y a moins non qui me reste, je me trompe pas. Ok, donc ici. Je me saisis, moi non. Et moi non. Maintenant, dans ce cas, contre, si tout ça est bon, je vais faire écran vers fichier. Voilà. Écran vers fichier. Écran vers fichier, tac. Et ensuite, je fais un H ajoute. Voilà. Et un H ajoute de l'élève, dans la table élève. Ensuite, je mets, je vais raser tout ce contenu-là. Voilà, je vais raser les champs. Bon, je peux laisser comme ça, hein. Donc, je vais faire un test rapidement. Non, je vais terminer en mettant pour actualiser la table. Voilà. Donc, je mets table affiche. Je définis le nom de la table et je vais mettre table courant premier. Table bandeau. Je vais mettre table bandeau. Je vais mettre table bandeau. Voilà. Je vais pas mettre table courant premier. Pourquoi vous serez pourquoi je vais mettre ta bandeau. Vous pouvez mettre ta en premier pour qu'il revienne directement à la ligne. Ici, je vais mettre para la snap. Voilà, matricule, je mets para 10. Voilà, je mets para 10 comme ça. Ici, moi non, je suppose que para est bonne, il est 18. Ah, qui va se négliger.
Ok, c'est bon. Ici, je mets un autre nom, un autre. Amisu. Amisu. Amisu, j'espère que j'écris bien. Sur matricule, là, je mets exemple. AH. AH. HA. HAMO. HAMO. 22. Voilà. C'est moi, non. Amisu est un très bon élève également. Je mets 7 et 17. Voilà, très bon élève, 17. Ok, ensuite je vais mettre un autre qui est Madoché. Madoché. Ah, Madoché est un très bon élève. Un très bon élève, mais malheureusement, il n'a pas une bonne moyenne. Madoché, 10. Donc lui, il a 600. C'est bon? Je vais mettre un autre élève, tel que, exemple, Christelle. Yao Christelle. Yao Christelle. Christelle. Qui a son matricule, c'est Yao 23. Oh, malheureusement que ça n'a pas une bonne moyenne, mais elle a eu 11. Ok, voilà. Voici les moyennes qui sont définies ici. Les moyennes sont bien définies ici. Maintenant, on va passer à la partie qui nous permet ici maintenant de gérer la partie grand. Pour gérer la partie grand, voilà comment on va procéder. D'abord, c'est simple. Il faut organiser la moyenne par ordre. Voilà, c'est-à-dire par ordre croissant, mais décroissant. Nous, on va arranger ça par ordre croissant. Voilà, c'est-à-dire du plus par ordre décroissant. Ordre décroissant. C'est-à-dire du plus grand au plus petit. Par ordre décroissant. Donc, on va venir ici. On vient au niveau d'ici. Au niveau de notre table. Vous avez constaté que la vidéo est longue. Par ordre de croissance au niveau de notre table. Donc on vient ici au niveau d'ici. Si la table contenue ici, rubrique de parcours, c'est pas ID, moyenne. Ok, ordre de croissance, et je conseille ça, je valide. Je lance un autre go pour voir. C'est organisé. Ici, malheureusement, c'est pas organisé par ordre de croissance. On va essayer de revoir. Ma souris qui rame un peu, je sais pas pourquoi. Ici, va de parcours, on va garder moyenne. Ok, ici la moyenne, on va partir définir la moyenne entière. Voilà, la moyenne doit être définie en entier. Si on ne définit pas en entier, ça va pas passer, ça va pas du tout passer. Donc, au niveau d'ici, on vient au niveau d'ici. Profite, mais en même temps, pour mettre en entier. On met plutôt en réel, pas en entier, parce qu'il y a des moyennes qui ont des virgules dessus. Voilà. Donc, on va laisser ça en réel. Ok. On va faire un autre go. Ils vont synchroniser. Ok, vous constatez que ça fonctionne bel et bien maintenant. C'est par ordre de croissance. Voilà. Donc, on va se limiter là pour cette vidéo. C'était juste la petite partie qui nous permettra de mettre en place nos systèmes. Au niveau de la prochaine partie, nous allons passer par ajouter la colonne de notre rang et maintenant faire ça. Mais c'est très indispensable ici. Si vous êtes utilisé une requête, vous êtes obligé de
fixer ça par ordre de croissance, mais par ordre croissant. Voilà. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je suis par la Snap. Ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo à tous ceux qui désirent apprendre la programmation.